C'est un livre qui part du paysage de la RDA aujourd'hui. Ce qui est très intriguant quand on est dans cette partie de l'Allemagne, pays évidemment très riche, très puissant, c'est que la ruine est partout. Ruine d'industrie, ruine d'anciennes maisons de la culture, immeubles abandonnés. Bref, c'est un paysage parfois de désolation qu'on trouve en Allemagne de l'Est et qui se marque aussi par la présence en même temps de toute une trace de l'État socialiste, des sculptures, des immeubles, des peintures, de l'art public, comme on disait à l'époque, qui est aussi un rappel de ce passé. Et donc j'ai été intrigué de plus en plus par cette présence et cette absence. Absence à travers tout ce qui est détruit, tout ce qui a disparu, et présence à travers des restes, hein, des petits bouts. Et en parlant avec les gens, je me suis rendu compte aussi que ces Allemands de l'Est, évidemment, avaient un rapport à la fois très fort et très compliqué à ce passé. Un passé qui est pour eux toujours là, et qui en même temps a disparu. Beaucoup de ce qui avait pu faire leur vie professionnelle a disparu. Les usines ont été fermées, elles ont été transformées. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont émigré à l'Ouest. Et donc ce monde professionnel qui a disparu, ce monde du travail qui a disparu, c'est quelque chose évidemment qui les trouble, qui les marque, hein, même d'ailleurs s'ils ont bien réussi par ailleurs après l'unification. Donc en quelque sorte, cette présence-absence de la RDA qu'on voit physiquement, on la voit aussi quand on parle avec les gens. Et c'est ce qui m'a intéressé d'enquêter. Alors j'ai essayé de faire aussi une enquête un peu originale, pas simplement faire des entretiens, pas simplement aller dans les archives, mais j'ai regardé ce paysage. Et j'ai tellement regardé que je suis aussi allé à l'intérieur de ces lieux abandonnés. J'ai fait ce qu'on appelle de l'exploration urbaine. Et c'est un livre qui est fondé sur la visite de 230 sites abandonnés de l'ex-RDA, que j'ai regardé sous toutes les coutures, j'ai regardé comment ils s'inscrivaient dans le paysage, j'ai regardé ce qu'on y trouvait à l'intérieur, et on y trouve beaucoup de choses. On y trouve des objets, on y trouve des archives, on y rencontre des gens parfois. Il m'est arrivé de manière étonnante, par exemple à Magdebourg, de discuter dans une immense usine de machines-outils abandonnées avec un Allemand de l'Est qui faisait du vélo. Il s'est arrêté, il est venu me voir, et puis on a commencé à parler de Magdebourg à l'époque de la RDA. Donc c'est à la fois l'occasion de ramasser des archives, de ramasser des objets, de rencontrer des gens. Et donc j'ai essayé dans ce livre de rendre compte de toutes ces traces. Donc c'est à la fois évidemment un livre sur la RDA, mais c'est aussi un livre beaucoup sur le présent et sur ce que les anciens de la RDA font de ce passé au présent. Car j'ai essayé, au-delà des traces abandonnées, d'aller voir la manière dont ils reconstituaient leur quotidien à travers des musées, à travers des vitrines, à travers des réunions. Donc c'est vraiment aussi une rencontre avec ceux qui activent en quelque sorte ce souvenir de manière non officielle. En réalité, il y a véritablement une volonté d'effacement et d'abandon. C'est-à-dire que c'est un État socialiste qui a été remplacé par l'Allemagne unifiée, donc une Allemagne à la fois libérale, démocratique et capitaliste, et donc qui a en partie voulu tracer un trait définitif sur tout ce qui rappelait des formes d'économie socialiste, des formes d'abandon. Et donc, d'une certaine manière, y compris d'ailleurs pour les habitants, il y a l'idée que ce passé est un peu sans valeur, finalement. C'est le passé d'un régime autoritaire, c'est le passé d'un régime qui n'a pas réussi économiquement, qui n'a pas assuré à ses citoyens tout ce dont ils avaient besoin, même s'il a assuré certaines choses, nous rappellent les habitants de RDA. Et donc du coup, il y a une forme d'abandon de tout ce qui le concerne, et notamment ces lieux, ces ruines, ces usines qui n'intéressent plus grand monde pour différentes raisons, à cause du développement économique de l'Allemagne, à cause finalement de la dévalorisation aussi de ce que ça représente. Et du coup, on laisse de manière assez incroyable parfois toutes les archives comme ça, dans des bâtiments qui sont ouverts à tous les vents. Et donc d'une certaine manière, on peut ou pas se servir pour regarder la vie de ces Allemands de l'Est. D'une certaine manière, ça correspond à la dévalorisation d'une partie de leur biographie, et c'est qui explique aussi que ce souvenir finalement soit vivant. Parce que les gens, évidemment, ont du mal à assumer ou accepter que toute une partie de leur vie soit considérée comme nulle et non avenue, uniquement d'avoir été les sujets passifs d'un régime qui les aurait écrasés. Personne n'a envie de cette histoire-là, donc les Allemands de l'Est ont aussi envie qu'on raconte d'autres histoires de leur propre passé.